Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par VECA sur le thème du télétravail, en nous posant notamment la question des enseignements de la crise sanitaire en la matière et si un travail à distance installé dans l'urgence et la nécessité est la même chose qu'un télétravail organisé et intégré. Une webconf qui fait partie d'un cycle de trois webconférences en partenariat avec la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, première mutuelle des agents de services publics locaux, en santé comme en prévoyance, qui protège plus d'un million de personnes. Elle accompagne aussi des agents et des collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Et MNT fait partie du groupe Vive, qui est le premier acteur français mutualiste de santé et de protection sociale. Autre partenaire, l'Association des DRH des grandes collectivités, qui rassemble des DRH des grandes villes, des départements, des régions, des EPCI. Un réseau de ressources et d'échanges pour les 200 DRH qui en font partie, comme l'un des deux intervenants que je présenterai dans quelques instants. Le travail à distance, donc pendant cette crise sanitaire, un peu vite nommé télétravail, a été l'une des vedettes du confinement, comme je l'indiquais. Mais de quoi parle-t-on vraiment entre un travail à distance imposé et un télétravail organisé? Et comment gérer ce qui peut paraître un paradoxe, recréer un collectif après des semaines à distance et développer le télétravail en même temps. Qui peut-il concerner également? S'il faut insister sur les nombreux points positifs de ce rapport au travail, chacun d'entre nous a perçu à quel point il modifie grandement les rapports hiérarchiques et a également des impacts potentiellement négatifs. Sommes-nous prêts à poser collectivement de nouvelles règles? Ce sera partie des questions que nous allons nous poser. En outre, se pose la question de l'indispensable formation des agents et des managers, à la fois au télétravail et en même temps à la maîtrise des outils qui l'accompagnent. Pour en parler, deux intervenants que je m'empresse de vous présenter, Nicolas Lanvin, qui représente l'Association des DRH des grandes collectivités, aujourd'hui administrateur territorial, DRH de la métropole et de la ville d'Orléans, avec un parcours d'abord dans la communication, hein, au SDIS 59, puis à la mairie d'Armentières, puis directeur adjoint de la communication au Conseil général du Pas-de-Calais. Puis retour à Armentières, où vous avez été directeur du pôle des moyens et ressources, puis DGS, puis DRH du conseil départemental du Pas-de-Calais, avant de rejoindre Orléans. Frédéric Petitbon, ESSEC, DEA en sociologie des organisations à Sciences Po. Vous êtes consultant, associé à PwC Consulting. Après avoir été à IDRH, vous conseillez des entreprises et des organisations publiques dans leur dynamique managériale et leur transformation RH. Vous animez la plateforme d'innovation managériale à PwC Consulting et enseignez la sociologie des organisations et la conduite du changement, notamment à Sciences Po Paris. Vous avez écrit divers ouvrages, dont un dernier, dont nous nous inspirerons d'ailleurs dans cette webconférence, dont le titre est, je vous le montre à l'écran, tel qu'on fait dans les meilleures émissions de télévision, qui s'appelle Libérer, délivrer et surveiller. Je rassure, il y a un point d'interrogation après surveiller. Les six clés pour travailler en confiance. Elle est écrite avec différents co-auteurs au Cherche Midi et un livre en préparation sur les règles d'or des entreprises qui apprennent vite, qui peut concerner également nos collectivités locales. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions. Questions que vous pouvez voir sur l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront évidemment leur possible pour y répondre pendant ou à la fin de la webconf. Enfin, cette webconf donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Je vous propose que nous commencions une série de questions à tous les deux, en nous arrêtant peut-être quelques instants sur la période actuelle. Si on parle du télétravail, évidemment, sur côté vedette des confinements, mais il y a un véritable sujet qui est lié à tout ça aussi, qui est cette période de retour, de réengagement des équipes, selon une formule entendue, quoique beaucoup aient été quand même engagés pendant la crise, hein. Une formule donc que je commentais et qui pose de nombreuses questions, notamment pour des tas d'agents qui auront traversé cette période, l'ont vécu de manière totalement différente selon qu'ils étaient au front, selon qu'ils étaient en télétravail ou dans d'autres situations. Et j'aimerais bien, sur cette première question, d'abord avoir votre analyse, Nicolas Lanvin. Alors, effectivement, il y a eu ces périodes, hein, très compliquées, hein, de la rapidité avec laquelle on a été confiné. Ensuite, cette période d'adaptation, hein, indispensable pour apprendre à travailler d'une nouvelle manière, et notamment pour les télétravailleurs.
Et puis, de manière très progressive, à partir du 11 mai, et par phases successives, effectivement, le retour en présentiel, d'un certain nombre de collaborateurs. Bon, ce qu'on peut effectivement analyser et remarquer, c'est qu'il y a vraiment différentes manières d'appréhender les choses pour nos agents. Des gens qui, effectivement, sont revenus assez facilement sur le présentiel un peu classique. Après, des gens qui, à l'extrême, ont vraiment eu des difficultés à reprendre le chemin du travail en présentiel avec un stress, avec, par rapport à leur propre situation de santé, un certain nombre d'interrogations. Et puis après, une volonté forte qu'on a pu remarquer, c'est justement de réappréhender de manière un mix entre présentiel et le distanciel pour changer de situation, mais de manière beaucoup plus progressive et se réadapter au réengagement professionnel en présentiel. Et donc ça, moi, j'ai vraiment remarqué que on a eu vraiment la volonté de le mettre en place et de laisser de la souplesse tant aux managers qu'aux agents pour justement faire que cette phase de réappropriation, elle soit progressive et elle s'adapte à la fois aux besoins qu'on pouvait avoir, nous, en termes de fonctionnement et d'organisation des services, mais aussi de bien écouter les agents par rapport à cette phase de déconfinement progressive et d'être à leur écoute pour que, effectivement, ils puissent réintégrer et se remettre dans un mode plus classique de travail et plus habituel. Voilà, se remettre effectivement le pied à l'étrier et revenir dans de bonnes conditions au travail. Eric, sur ce sujet-là, sur ce premier point. On est dans une période qui est très particulière parce que, en comparant les organisations, on a tous les cas de figure. J'ai des entreprises qui envisagent, ou organisations publiques, qui envisagent de rentrer en octobre, en novembre, en début d'année 2021 au bureau. Donc ça existe, il y en a. Je vois d'autres organisations où tout le monde est revenu de manière systématique, il y a déjà 2 semaines, 3 semaines, avec l'idée qu'on ne pouvait pas supporter cette rupture de relation, qu'il y avait une perte d'engagement qui était un risque absolu. Donc, il y a déjà un très grand écart entre les entreprises, ceux qui sont tout à fait revenus, ceux qui reviendront dans très longtemps, et un certain nombre qui sont en mode hybride. On en parlera, ça fait partie des points les plus sensibles. Et quand on zoome sur les équipes, les collaborateurs, là aussi, les enquêtes montrent de manière très convergente le bonheur du télétravail pour une majorité de personnes, oui, de manière claire et nette, mais. Le mais, on l'a pour des jeunes qui ont perdu le lien social avec une vraie rupture de lien social. Donc, eux voulaient revenir. Et mais, on a des collaborateurs qui ont peur. Oui. Non, non. Est-ce que le fait de pouvoir choisir, laisser du temps, vous parliez d'octobre, voire plus, ce n'est pas une forme de luxe que peuvent se permettre de plus grosses structures? J'imagine une petite commune, une petite interco, qui a peut-être un personnel assez limité, ne peut pas toujours se permettre les mêmes choses. Non, et le retour est tout de suite est utile à la fois d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue de repères à donner. Bien sûr que les organisations qui font rentrer leurs équipes très très tard en fin d'année, c'est soit des grosses institutions européenne avec en plus des contraintes bien sûr de retour, soit le monde des assurances, mais les risques que ça fait prendre en termes de perte de repères et de risques opérationnels sont tout à fait importants. Il faut faire revenir effectivement les équipes, notamment avant les vacances d'été. Nicolas Hervin, il y a une première question qui nous est posée, qui est un peu liée à ce sujet-là. Comment faire avec... Alors, je ne parle pas évidemment ni d'Orléans, ni la métropole d'Orléans, c'est une question générale. Comment faire avec ceux pour qui le télétravail a, d'une certaine manière, été révélateur d'une ambiance et de conditions de travail malsaines et qui ont peur de rentrer, justement, peut-être pour cette raison-là? Moi, ce que j'ai pu remarquer, alors on va quand même prendre un petit exemple orléanais, je connais bien que tout n'est pas parfait non plus, hein, même si c'est une très très belle collectivité. Pour autant, ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est un effet déconfinement sur les risques psychosociaux. À la fois, pendant la période de confinement, on a eu le souhait d'accompagner les agents qui ont
dont on savait qu'ils avaient une forme de difficulté, hein, notamment par un suivi médical renforcé, par des téléconsultations. Et dans la phase de déconfinement, ce qu'on a pu remarquer quand même, c'est un peu de libération de la parole sur les risques psychosociaux. Voilà, des ambiances de travail qui n'étaient pas positives avant le confinement. Les gens ont été confinés, donc ont été plus en contact forcément aussi régulièrement avec leurs collègues avec lesquels ils étaient en difficulté. Et donc après le confinement, on peut avoir je dirais quelques retours négatifs sur justement ce que je vivais avant ne me plaisait pas. J'ai vécu quelque chose dans le cadre du confinement qui m'a tranquillisé, apaisé, fait travailler sereinement. Et le fait de revenir remet dans la situation initiale et donc peut nous poser un certain nombre de questions. Donc effectivement, là-dessus, on a une attention toute particulière en matière de risques psychosociaux et d'accompagnement des équipes de travail pour effectivement retrouver une ambiance de travail qui soit la plus positive possible. Mais ça existe indéniablement. Alors, est-ce qu'on va commencer par se poser d'abord plus généralement la question qui était le titre de cette webconférence sur en quoi un travail à distance qui est mis en place un petit peu dans l'urgence, pas qu'un petit peu, dans l'urgence, est-il véritablement du télétravail? Où est-ce qu'on peut voir les grandes différences entre un travail à distance désorganisé, imposé dans l'urgence et un télétravail organisé, dans les grandes lignes, avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Frédéric, petit bond peut-être. Le télétravail classique, entre guillemets, était celui où je pars à la maison avec des dossiers à traiter, qui sont soit liés à des procédures que je vais respecter, que je respecte aussi bien quand je traite mon dossier à la maison, soit des dossiers qui demandent une concentration avec ce que ça demande de capacité à travailler de manière apaisée chez soi. Donc ça, c'était le classique du télétravail. L'immense différence ici a été qu'on a organisé des temps collectifs et des temps de réunion aussi en télétravail. Et ça a effectivement été une découverte pour les équipes. Et la différence est essentielle là-dessus. Avec dans ces temps collectifs, à la fois le plaisir d'avoir des réunions qui commencent à l'heure, des réunions qui se terminent à l'heure et des réunions où en plus, si on s'ennuie, c'est pas un problème parce qu'on fait autre chose. Je fais ma mayonnaise, je lis un bouquin, je regarde autre chose. C'est vraiment pas une question pour ces réunions en télétravail. D'ailleurs, c'est un vrai point sensible qu'on entend en collectivité et ailleurs pour le retour au bureau. C'est si c'est faire passer du temps dans sa voiture ou en transport pour se retrouver dans des réunions peu efficaces ou en plus, on sera considéré comme malpoli si on regarde pas le chef dans les yeux ou les collègues dessus pour faire autre chose, y compris si la réunion n'est pas bonne. Ça, c'est vrai, effectivement un point sur lequel il y a des retours d'enquête qui sont tout à fait durs sur si c'est pour revenir avec des réunions qui ne fonctionnent pas, autant rester chez soi. Nicolas, avant de passer la parole, je vous signale simplement que si vous devez faire votre mayonnaise pendant une web conférence, il est souhaitable de couper votre micro. Nicolas, sur ce sujet. Sur ce sujet, enfin, effectivement, voilà, pour prendre l'exemple orléanais, on avait très peu d'expérience en matière de télétravail, peu de demandes à la fois des cadres et puis même des agents hein, qui pouvaient télétravailler, donc très faible. Donc une petite expérience en l'occurrence hein, en matière de télétravail. Moi, ce que j'ai remarqué de manière assez fondamentale et qui est très différente par rapport aux télétravailleurs pour le coup, je suis. Et j'étais avant la crise, c'est effectivement le travail confiné et obligatoire pour tous ceux qui, entre guillemets, devaient continuer leur activité à distance. Ça, c'est franchement un changement fondamental pour nous. On a dû s'adapter, effectivement. Beaucoup d'agents qui ont dû télétravailler, enfin, en tout cas de manière confinée et stricte, n'avaient jamais anticipé le fait de pouvoir télétravailler, d'avoir envie de télétravailler ou d'avoir fait une demande de télétravail. Donc ça, pour le coup, ça a été quelque chose d'assez changeant, complètement changeant par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au préalable et ce qu'on avait pu vivre comme expérience. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez fort. Ce que j'ai pu remarquer, c'est quand même que globalement, il a fallu une quinzaine de jours aux agents pour prendre leur marque, construire, comme le disait Frédéric, des premiers processus, comment on organise des réunions Teams, comment on se donne des rendez-vous dans la semaine pour effectuer le travail. Évidemment,
quand on est au quotidien dans les mêmes locaux, eh bien, soit il y a des réunions, soit effectivement on va voir ses collègues dans les bureaux et on traite un certain nombre d'affaires, on le sait bien, et des sujets comme ça. Ce qui n'est évidemment plus possible quand on le fait, en distance, à distance. Vraiment, j'ai remarqué que ces 15 premiers jours avaient été voilà, très fortement interrogeants pour les agents sur quel processus, comment on va réussir à s'organiser alors qu'on n'avait rien anticipé sur les méthodes de travail qu'on allait devoir mettre en place pour assurer la continuité du service. Une quinzaine de jours, et ensuite la méthode qui a été actée au bout globalement de ces 2 semaines a été poursuivie jusqu'à son terme. Et maintenant, voilà, on se posera des questions sur ce qu'on garde, ce qui a bien marché, et puis ce qui a moins bien marché. Je vais signaler à nos internautes qui commencent à poser beaucoup de questions que je vais les regrouper dans quelques minutes dans un petit lot de questions. Je voulais quand même, avant qu'on traite une réalité qu'on a tous vécue, sauf ceux qui sont très à l'aise avec les outils, c'est que, il y a une véritable question autour de la formation des managers et d'ailleurs des agents également, que ce soit aux techniques de management qui sont d'une certaine manière différentes, mais également aux outils qui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces outils. Donc, à votre avis, quels sont les domaines prioritaires où il faut à la fois former en termes de management et à la fois en termes d'outils? Frédéric, peut-être. Peut-être un point marquant, c'est comment est-ce qu'on apprend les outils? Effectivement, comment est-ce qu'on joue avec du Teams, comment on parvient à projeter des éléments en réunion, comment on a des dossiers partagés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris pour bonne partie sans formation, dans la mesure où c'était un coaching fait par les collègues, fait par les amis, fait par le conjoint pour effectivement avancer sur le sujet. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça montre effectivement que nos mécaniques d'apprentissage dépendent d'éléments qui sont aussi très de compagnonnage, d'apport par les collègues, et c'est quelque chose qu'on va certainement garder en plus de la formation. Ce qui a aussi pas mal fonctionné, c'est effectivement toutes les formations distantes en mode capsule. Donc, il y avait effectivement l'aspect outillage qui était le premier point indispensable de formation par rapport à ces cadres supérieurs en collectivité ou ailleurs qui avaient l'habitude que leur assistante branche le truc et puis une fois on appelait le chef et les choses se passaient comme ça. Donc là, c'est plus difficile à la maison, bien sûr. Le deuxième point de travail pour les managers est probablement que veut dire management de proximité. Là, c'est effectivement ce que disait Nicolas tout de suite. Quand on est manager en collectivité avec ses équipes, c'est simple. On se promène. Je croise Hugues, je croise Frédéric, je croise Marinette et je lui dis en passant au travers de la machine à café, tiens, t'as pas l'air en forme, tiens, il y a tel dossier sur lequel il faut qu'on avance. Et puis je repasse te voir quelques minutes après, je fais les échanges, j'ai une réunion de synthèse qui permet de faire ça. Et donc je peux tout traiter en même temps et via cette proximité physique sans avoir besoin d'organiser. Là, ce qu'a montré le télétravail, c'est qu'en fait, cette proximité est multiple. Ça demande de travailler de la sensibilité pour écouter les gens, ça demande de donner des tâches, ça demande d'organiser, ça demande de traiter des problèmes. Et en fait, tout ça peut être organisé de manière tout à fait systématique, mais demande effectivement de penser quelles sont les composantes du management de proximité au-delà de tout ce qui peut être résolu en se promenant dans les bureaux. Nicolas, sur ce point? Alors, de la même manière que disait Frédéric, effectivement, je pense qu'il était absolument nécessaire, assez vite, d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche de travail distanciel, je dirais rapide. Globalement, nous, on les a, entre guillemets, laissés un peu tranquilles au début, déjà parce qu'on n'était pas prêt à les accompagner, très concrètement. Et au fur et à mesure, on a adapté nos réponses aux besoins qui pouvaient nous remonter, à la fois effectivement sur l'usage des outils, et là-dessus, la DSI, évidemment, vous imaginez bien, les DSI ont pris une part très importante hein, sur les outils et la gestion des outils. Et nous, on a plutôt accompagné en RH le volet humain, le volet managérial. Comment on arrive quand même à travailler avec nos collègues à distance, à la fois en collectif, à la fois en individuel quand c'est nécessaire. Comment on arrive aussi à identifier effectivement hein, le café du matin où on se rend compte que quelqu'un va pas bien avec la caméra, c'est pas forcément évident. De la même manière de continuer aussi
avoir des réunions impromptues, parce que comme disait Frédéric, il y a beaucoup d'organisation qui s'est mise en place en fait. Effectivement, les réunions, elles ont commencé à l'heure, elles ont fini à l'heure, il y avait un ordre du jour, et chacun après avait son plan d'action à traiter. En même temps, Pour il y en a eu autant, beaucoup plus. il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu le développement des contacts, malgré, enfin voilà, comme le dit Hugues, malgré effectivement que quand on est en présentiel, on peut aussi se voir beaucoup, mais on ne fait pas forcément l'effort d'aller de l'autre côté des locaux pour aller voir quelqu'un. Par contre, enfin, nous, on a continué à pouvoir se dire aussi qu'on, un peu la visite du matin ou la visite du café ou le début d'après-midi, on a essayé de rappeler aux managers qu'ils avaient aussi ce rôle-là, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est aussi intéressant de contacter ses collègues ou d'aller voir ses collègues comme on le fait dans les locaux, mais de les appeler sans forcément avoir un point spécifique à voir, mais plutôt avoir un état de l'humeur, de l'ambiance, de l'environnement de travail du moment, et puis essayer de capter un petit peu ces signaux qui sont pas forcément évidents, qu'on peut dire faibles. Mais voilà, d'avoir un peu une remontée sur l'ambiance, la qualité du travail, le mode de relation avec les autres. Voilà. Donc, on a vraiment essayé d'accompagner ça en matière de formation et puis voilà, d'avoir un peu cette forme de sensibilité, entre guillemets. Alors, je vous propose qu'on commence à répondre à quelques questions qui nous arrivent, que je vais essayer de regrouper sur une première thématique, qui est liée d'ailleurs avec un document avec lequel j'étais venu. Il y a pas très longtemps, une étude qui montrait que, il y a une différence, qu'il y a un écart qui s'est creusé entre les hommes et les femmes par rapport au télétravail, sur le fait que les femmes souffraient plus de ce qu'on appelle la pression résidentielle, puis surtout que dans les lieux pour pouvoir travailler à la maison, eh bien, un quart des femmes en disposaient, alors que 45% des hommes en disposaient. Alors évidemment, il y a des exceptions. Et ceci est lié avec deux questions qui nous arrivent, notamment, pourrez-vous traiter de la question des femmes au télétravail, hein, préjudiciable aux femmes. Et puis la seconde qui est un petit peu liée, c'est comment arriver à gérer le télétravail à la maison alors même qu'il y a les enfants, vous avez connu ça, qui doivent aussi télé-écoler, bon, je ne connaissais pas la formule, sans pour autant se retrouver parfois accusé de manque de productivité. Nicolas, peut-être, qui veut répondre? Je veux bien commencer. Ce sur quoi moi j'ai vraiment insisté auprès des managers, c'est qu'on n'était pas vraiment dans du télétravail classique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir un niveau d'exigence, notamment dans la période confinée, pour les agents qui avaient évidemment soit pas forcément les conditions matérielles très adéquates pour télétravailler au départ, hein, puisque évidemment tout n'est pas parfait le premier jour quand on a confiné les agents. Vous imaginez bien que tout le monde n'avait pas le matériel évidemment très adapté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les conditions de vie des agents sont aussi, on le sait bien, diverses, et donc ils ont plus ou moins la possibilité de travailler dans de bonnes conditions quand ils ont été chez eux de manière confinée strictement. Dernier point, ou avant-dernier point, la relation aux enfants. Vous dites, les agents sont pas dans un mode télétravail classique. Ils ont dû gérer leurs enfants, gérer le quotidien de leur vie à domicile et faire l'école à la maison pour ceux qui ont des enfants de ces niveaux scolaires. Donc, on ne peut pas, enfin, là-dessus, on a été très, très vigilant à dire, effectivement, de faire la part des choses et d'accepter, hein, c'est la période qui voulait ça aussi, que les agents ne soient pas forcément tout le temps disponibles et à un niveau de production très, très élevé dès le départ du confinement. Voilà, il fallait laisser du temps aux gens d'appréhender cette nouvelle période, cette manière de travailler que personne n'avait anticipé de manière aussi forte, évidemment. Voilà, juste, je dirais, humainement et managérialement, il fallait accompagner cette démarche pour entendre ça. Et puis, on l'a bien vu aussi, hein, au fur et à mesure, les gens se sont organisés à titre personnel, ont fait varier leurs horaires de travail et ont appréhendé le sujet. Peut-être juste sur les femmes, et après, je laisse volontiers la parole à Frédéric, sur la relation homme-femme là-dessus. Effectivement, je pense qu'on a encore à progresser, on le sait bien. Les hommes s'occupent moins, entre guillemets, encore statistiquement de la vie au domicile, de l'éducation des enfants et de leur accompagnement par rapport à l'école. Ça, je dirais, c'est aussi la société qui va évoluer là-dessus, si effectivement, plus généralement, on élargit les notions de télétravail hommes et femmes. Effectivement, je pense qu'il y aura un rééquilibrage qui devra se faire et il faudra qu'on soit tous collectivement vigilants, évidemment.
Mais on voit bien que cette question, Frédéric, elle pose globalement la structuration de cette relation à distance, quoi, aussi. Peut-être Oui. évoquer quelque chose que j'ai lu, d'ailleurs, dans un excellent ouvrage que je présentais tout à l'heure et qui est peut-être fait partie de la réponse, cette idée aussi de ritualiser les relations managériales également. Oui, et effectivement, parmi les donc parce que sur le sujet, effectivement, on a vu plein de situations compliquées. Il y avait une injustice, notamment dans les relations, dans la famille et dans le couple, qui était parfois frappante. Dans les bonnes pratiques, si je suis positif, d'abord la pratique de quand ont lieu les réunions et quand est organisé le temps de travail. Donc là, ce qu'on a vu fonctionner, ce qu'on voit fonctionner, c'est plus de rigueur sur des temps consacrés à sa vie à soi. Sa vie à soi pouvant être la vie familiale, qui se traduit notamment par le fait qu'on est rigoureux dans le respect des heures de déjeuner, que les réunions commencent, le cas échéant, à des heures raisonnables là-dessus. Intéressant aussi dans l'explicite des contraintes perso, qu'on n'a pas toujours de manière très très forte dans la vie professionnelle. Et là, dans la mesure où le perso rentre via l'écran, les enfants passent derrière, on voit ce qui est là-dessus. Donc c'est à la fois humainement indispensable et intéressant, parce que si vous êtes, non seulement si vous voyez pas vos équipes, mais en plus que vous faites une rupture absolue entre le pro et le perso, ça explose d'un point de vue là-dessus. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une attention plus importante apportée au perso, et donc souvent de manière humaine et saine. Et puis effectivement, le point après étant comment est-ce que j'organise les temps collectifs et les temps individuels. Dans les pratiques intéressantes, c'est un certain nombre de collectivités ou de services en collectivité ou dans l'entreprise qui ont explicité le rituel. C'est-à-dire pour ma semaine, je dis effectivement qu'on a un temps collectif qu'on aura ensemble en mode distant, en mode Teams, en mode Zoom là-dessus, et qu'on fonctionnera de telle manière, de manière rituelle. On a un temps de prise de recul, partage d'informations, apéro, on parle d'autres choses qu'on veut garder là-dessus. Je me fixe comme impératif de passer un coup de fil, y compris à mes équipes niveau N-1, pour ne pas parler boulot, pour parler d'autres choses. J'ai un échange individuel avec mes N-1. Et vous voyez tout ceci qui s'organise dans un semainier, si je le dis comme ça, ou on peut le faire à différents calendriers, mais qui est clair et qui est explicite pour tout le monde. L'immense avantage, c'est que ça donne du repère. Et en repère, quand on est en mode distant, on en a encore infiniment plus besoin quand on est en mode physique. Donc, ce qu'on va vraiment se développer, c'est ces pratiques de j'aimerais, nous, c'est pas j'ai, c'est nous collectivement, nous avons nos rituels qui nous permettent de savoir comment on fonctionne au cours d'une semaine, quand je pourrais être en contact avec mes collègues, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très important, avec une conséquence pour le chef, mais aussi pour l'équipe, c'est malheureusement que ça demande une vraie organisation. C'est bien plus facile, effectivement, quand on se promène dans les bureaux et on chope ses collègues là-dessus. Là, et c'est, je pense, quelque chose qu'on va pour partie garder dans la période hybride, ça demande d'être bien plus organisé, bien plus explicite sur les règles du jeu que le collectif du service va avoir. Alors, je vais m'arrêter sur deux questions qui sont des questions peut-être un peu plus techniques, mais aussi fort intéressantes, qui vont peut-être vous concerner plus, Nicolas. La première, c'est une collectivité qui n'a pas délibéré sur le travail, qui a autorisé le travail à distance durant le confinement, et qui a actuellement des agents qui fournissent un certificat d'isolement, parce qu'ils craignent de reprendre le travail, ce qu'on évoquait tout à l'heure. La date du 10 juillet semble mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Sans délibération, accepter qu'un agent reste en télétravail au-delà du 10 juillet peut-il s'envisager? Alors, il s'envisage à une seule condition, hein, si je me trompe pas, c'est que, mais c'était déjà avant le 10 juillet, hein, ça date un tout petit peu plus tôt, c'est qu'il faut un certificat médical désormais du médecin traitant pour confiner un agent pour raison d'une pathologie qui serait aggravée par le Covid, et c'est la seule raison qui permet de confiner un agent aujourd'hui.
Le télétravail, entre guillemets, c'est un peu la conséquence du confinement. C'est-à-dire que si le médecin dit effectivement que l'agent a une pathologie dans les 11 là, qui avaient été décrits depuis le début comme étant particulièrement aggravée par le Covid, eh bien, le télétravail est possible, même si on n'en a pas délibéré. Enfin, à mon sens, pour une raison simple, aujourd'hui on voit bien, et toutes les collectivités, je pense, ont fonctionné globalement comme ça, avec l'aval des représentants du personnel, on a fait évoluer de manière fondamentale notre manière de traiter les sujets, et on a été beaucoup plus rapide dans justement l'exposé des besoins et les mesures qu'on pouvait prendre. De la même manière, hein, Orléans, moi, j'ai pas changé le règlement du télétravail, très concrètement. On avait une journée tous les 15 jours. J'ai pas rénové ça. On n'a pas délibéré parce que de toute façon, il n'y avait pas de conseil ni municipaux ni métropolitain, donc c'était pas un sujet. On a juste dit, voilà les modalités de travail pour les gens qui peuvent travailler à distance, et les mesures de précaution. Par contre, comme le disait un peu Frédéric, pour moi, il est extrêmement important d'avoir des mesures de protection des agents sur les horaires de travail, et sur les amplitudes de travail, parce que la déconnexion, le droit à la déconnexion pour les agents qui télétravaillent est un vrai enjeu. Parce que ce qu'on a pu voir aussi, c'est des gens qui travaillaient avec des horaires décalés, travaillaient tard, travaillaient le week-end, et donc de fait, quand on a son bureau à portée de main, quand on est chez soi, il y a aussi des fois, peut y avoir un phénomène d'accoutumance au travail et voire de suractivité. Là-dessus, je pense qu'il faut être effectivement vigilant. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'observations et de questions qui font référence à cette notion de contrôle du temps de travail, voire de badgeage, comme j'ai vu, nous dit l'internaute, dans certaines autres institutions, de badgeage. Il y a des systèmes de badgeage qui sont possibles par l'ordinateur, enfin via l'informatique. Il n'y a pas forcément un badge physique à présenter devant un lecteur. Maintenant, on peut aussi badger par l'ordinateur. Voilà. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Enfin, on en parlera peut-être après avec cette notion de confiance qu'on n'a pas encore évoquée. Et puis, une deuxième question technique avant que nous reprenions le fil de nos questions. Est-ce que vous pouvez aborder en quelques mots le sujet de l'attestation de conformité des installations? Je crois que c'est un décret de 2016. Comment l'obtenir? Est-ce que c'est à l'agent de supporter le coût? Alors, je me souviens pas de la réponse en détail, très objectivement. Effectivement, il y a eu ce décret. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'ait appliqué de manière très stricte, très objectivement. L'enjeu, à mon sens, effectivement, c'est plutôt de donner le matériel, effectivement, aux agents pour télétravailler dans de bonnes conditions. Et si on a des doutes, effectivement, on peut se réinterroger. Voilà. Bon, je suis jamais allé plus loin que ça dans la démarche. Et puis dernier petit point, quand vous parlez du certificat médical tout à l'heure, est-ce qu'il peut faire l'objet d'un avis du médecin de la prévention? Non, normalement plus maintenant. En fait, il y a un texte de mémoire via la sécurité sociale qui est assez éclairant, mais je pourrais vous rejoindre là un petit tableau qui est assez illustrant sur quand on est IRCANTEC, quand on est CNRACL, ce qui se passe, qui peut prendre un Très bien. arrêt de travail. En fait, voilà. Mais j'ai lu ça ce matin encore. Propose à nos internautes. On lit ça J'en ai avec le replay qui aura lieu tout à l'heure. Juste un mot sur cette notion de Frédéric de ritualisation des relations managériales que vous évoquez dans votre ouvrage. Je dis ça parce que dans les remarques que l'on a, il y a un conseil régional qui nous dit il a mis en place, lui, ce qu'il appelle des routines managériales. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais peut-être deux mots de cette idée qui englobe beaucoup de choses. Routine, repère, rituel, on est vraiment dans la même idée et enfin qui répond à ce besoin face à l'extraordinaire explosion des possibles. On peut travailler de plein de manières différentes, on peut utiliser plein d'outils, plein de modes de travail, et simplement en tant qu'être humain au travail, on a besoin d'avoir des repères qui permettent d'être efficace. Donc le terme routine est aussi utilisé d'ailleurs par nos amis anglo-saxons comme pratique, et là il est avec vu de manière positive. Rituel est souvent utilisé aussi en français, notamment sur la base de toutes les pratiques dites agiles, avec tous les modes de travail très organisés autour de ça. Mais effectivement, c'est une tendance lourde de besoin d'explicitation des règles du jeu et de partage dans une petite collectivité pouvant être un service, une unité vraiment essentielle.
Alors, je propose à ce stade que nous inversions les rôles une seconde en vous posant une question, c'est-à-dire en posant une question à nos internautes. La question est la suivante. Vous répondez par oui ou par non et nous analyserons le résultat de ce mini-sondage. La période de télétravail a-t-elle d'une manière ou d'une autre changé votre relation avec votre manager? Et vous répondez par oui ou par non. Merci, puis nous analyserons aussi. Bon. De nombreuses questions continuent à nous arriver. Je les regrouperai dans quelques moments. Et si jamais il y a des questions techniques auxquelles nous ne répondons pas, nous vous donnerons les réponses par mail individuellement après. Sujet, j'allais dire, central, primordial, c'est derrière toutes ces formes de management rituel et autres modes d'organisation, il y a un mot qui si je puis dire, c'est la notion de confiance, quoi. De confiance, évidemment, confiance réciproque. Moi, j'ai vu à quel point pour certains managers ou certains élus d'ailleurs, ne pas savoir où sont ses collaborateurs, ne pas les avoir à proximité et ne le suivre qu'en fonction des missions réalisées, c'est quelque chose de difficile. Quel est votre regard par rapport à ça? Peut-être. Oui, la question est centrale. Il y a fortiori qu'avec nos outils, on peut fliquer de manière remarquablement efficace ses équipiers. Vous regardez quand ils sont connectés, et de la même manière, les équipiers peuvent tricher. Vous pouvez sans beaucoup de difficulté programmer un envoi de message à 3 heures du matin si vous voulez vraiment frimer. Vous l'envoyez à 7h30 pour montrer que vous êtes efficace tôt le matin. Donc de ce côté-là, la technique permet de fliquer ou de tricher sur son temps de travail. Ce que ça met en avant, c'est qui dit confiance en management dit aussi qu'on est explicite sur les résultats. Quels sont les résultats que je te demande, toi, collaborateur, et que je suis explicite sur les règles du jeu d'atteinte de ces résultats, et notamment que pour un certain nombre de résultats, j'ai pas besoin d'être en relation immédiate tout le temps avec toi. Donc et ça, ce management par les résultats, qui est aussi vieux que l'action collective organisée, et les études le montrent de manière transversale, toute organisation, le point probablement le plus difficile dans le management, qui est comment parvenir à bien faire fonctionner un management par les résultats. Ça veut dire qu'on est suffisamment à l'aise pour être précis sur les résultats. C'est pas facile de définir un bon objectif, un bon résultat à atteindre. Ça veut dire qu'on prend sur soi pour laisser vivre pendant une période pour déléguer et qu'on accepte et collaborateurs et chefs d'être précis sur l'atteinte des résultats. Et ça, c'est probablement le point le plus sensible dans le management. On a cette opposition entre ceux qui préfèrent infiniment être dans la proximité immédiate, dans les tâches, dans le suivi de ce qui est exécuté, et cette tendance de fond d'être dans le management par les résultats. De ce côté-là, effectivement, c'est si on n'arrive pas si on n'avance pas dans cette direction, la confiance est très très difficile à instaurer. Nicolas, sur ce point. Je crois ça fait partie des leçons qu'on va probablement tirer, hein, des retours d'expérience dans nos collectivités. C'est que on ne pensait pas forcément, enfin personne, je pense, pouvait imaginer la situation au préalable, et pour autant nos collectivités ont continué à fonctionner et à plutôt bien fonctionner, à bien répondre aux besoins des usagers et à assurer, par exemple sur les ressources, hein, en général, à bien assurer la continuité du service, hein, quand on voit du déploiement de télétravail de manière massive par des DSI, quand on voit tous les actes qu'il a fallu prendre pour mettre en pause les marchés publics ou payer les entreprises des factures déjà arrivées dans la collectivité pendant la période pour minimiser les effets sur les trésoreries. Je passe aussi sur le fait qu'on ait continué à payer les agents tous les mois à la DRH. Donc, et j'ai pas entendu une collectivité qui n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est aussi se dire que la confiance par le résultat, je pense qu'il y a eu une démonstration assez flagrante pendant cette période de tout ce qu'on est capable de faire dans les collectivités aujourd'hui.
pour assurer la continuité du service et que on l'a bien vu sur un mode dégradé, hein, faut pas se raconter d'histoire, en manière confinée, rapide, mise en place de manière très urgente, on a réussi à s'adapter, on a réussi à assurer la continuité du service. Donc c'est aussi montré que les agents territoriaux ont eu cette capacité de réinventer complètement un mode de fonctionnement sur des délais très courts et que les résultats sont là. Donc, pour moi, la confiance, elle est démontrée, entre guillemets. Voilà. Alors après, il faut l'entretenir, il faut, comme disait Frédéric, travailler par objectif, donner des résultats, donner des règles claires du jeu, mais en toute objectivité, aujourd'hui, je pense que la démonstration, elle a été faite. Voilà, on sait bien qu'il y a différents modes de management, on sait bien aussi que certains nombre d'élus voilà, ont des habitudes de travail sur le présentiel, etc. Je pense qu'effectivement, petit à petit, et au regard de l'analyse des résultats et du retour d'expérience qu'on fera de cette période, ça nous amènera aussi à modifier de manière plus durable nos pratiques et puis de développer encore la confiance qui s'est développée quand même ces dernières années dans la relation au travail, dans les collectivités. Oui, il est vrai par rapport aux élus qu'il y avait beaucoup de questions, mais qui venaient plutôt de petites collectivités où la proximité est un souhait naturel, naturel, je ne sais pas, mais un souhait réel de l'élu. Je vous propose de vous donner les résultats du sondage. Je rappelle la question, la période de télétravail a-t-elle d'une manière ou d'une autre changé votre relation avec votre manager? 41% oui, 59% non. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires particulier sur ce sujet-là. Je vous laisse pas, bon, pas de réaction. J'en profite pour reposer quelques questions qui sont des questions souvent très opérationnelles. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qui peut-être plus directement, quoique concernées Nicolas. Les membres du CHSCT ont-ils l'obligation de vérifier les conditions de travail à domicile? Alors, la grande question. Non, je crois pas. Je crois pas parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait faire des inspections dans les domiciles. Ça me paraît un petit peu trop important comme compétence du CHSCT. Je crois pas, mais encore une fois, là aussi, hein, je pense que c'est dans la relation de confiance qu'on construit ce genre de choses. Si l'agent nous dit qu'il peut travailler dans de bonnes conditions chez lui, enfin moi naturellement, je lui ferai confiance et je lui accorderai le principe. Voilà. Donc non, je crois quand même pas qu'on puisse intégrer le domicile. Comme vous le disiez tout à l'heure, je pensais plutôt les aspects de conformité qui seront interrogés, mais la conformité, elle peut pas être par les membres du CHSCT. Ça m'étonnerait quand même. Oui, c'est lié à une autre question sur l'ergonomie du poste de travail et l'accidentologie pendant le télétravail. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous et notamment, pour moi, il y a des grosses interrogations sur les troubles musculo-squelettiques pendant cette période parce qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas eu son matériel forcément, le même matériel qu'on a au bureau, hein, l'écran est plus petit, c'est pas forcément la même souris, le bureau est pas le même, le siège non plus. Par exemple, hein, nous, on a accepté pendant cette période de confinement strict là, que des agents qui avaient des pathologies de dos partent avec leur siège chez eux, leur fauteuil de bureau, plus ergonomique pardon, que ce qu'on peut avoir à son domicile pour travailler. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est effectivement important, mais c'est le cas plus, là, on le voit parce qu'on était sur un travail à 100% en travail confiné. Quand on est sur une partie du télétravail par semaine, ce sera à appréhender pour savoir comment on arrive à organiser ça quand même. D'accord. Une dernière question avant de continuer. La collectivité peut-elle ne pas mettre de matériel informatique à disposition des agents en télétravail dès lors que des outils techniques de connexion sont sécurisés? Moi, je le déconseille très objectivement. Déjà sécuriser du matériel personnel, il y a beaucoup de DSI qui vous diront que c'est vraiment pas quelque chose qu'ils souhaitent faire, ce qu'on comprend aisément. Et puis, moi, ça m'embête toujours de me dire que c'est aux agents de mettre à disposition un ordinateur qui est le leur. S'ils ont un souci avec qu'il y a une difficulté sur l'ordinateur qui s'arrête de fonctionner pendant la période, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera de la responsabilité de la collectivité, de l'agent. Enfin, vous voyez. Ça ne me paraît pas forcément une solution, même si on le sait bien. Hein, je, je,
Je t'en perds tout de suite le propos. Dans la période qu'on vient de vivre, effectivement, il y a des agents qui ont travaillé avec leur matériel personnel, on le sait. Bien sûr. Mais je dirais que c'est parce que c'était la période qui a voulu ça. Je pense que les DSI, avec le management des collectivités, aura vocation, là aussi, en tirant expérience de ce qui vient de s'écouler, de regarder comment on dote en matière d'équipement informatique les agents dans la durée, très objectif. En tout cas, on voit bien dans vos propos que les DSI et les DRH sont des binômes futurs importants à l'intérieur d'une organisation. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est clair, c'est essentiel. Enfin, ce matin encore, avant qu'on discute, j'ai échangé avec le DSI de la métropole justement pour préparer la réunion avec le DG demain sur ce sujet-là. Vous voyez, donc typiquement, ça devient essentiel pour donner les bons outils de travail à nos collègues. Alors, on a toujours beaucoup parlé, du nombre de colloques, j'en ai même animé certains sur les cultures d'entreprise, la culture de collectivité. Est-ce que un développement trop important du télétravail ne risque pas de mettre un peu en danger par cette distance, ces notions de culture d'entreprise, en tout cas, en l'occurrence, de culture de collectivité? Frédéric? Les enquêtes montrent de manière assez convergente qu'on a un engagement qui se dégrade et que c'est particulièrement sensible pour ceux qui sont le moins intégrés, que sont les jeunes, qui ont besoin plus de sociabilité, d'échanges avec les collègues là-dessus. Donc le risque est effectivement important, avec un point complémentaire qui est: qu'est-ce qu'on veut expliciter dans la culture de la collectivité? Quels sont finalement les points essentiels qu'on a eus pendant la période de confinement, qu'on veut mettre en valeur parce qu'ils incarnent la culture qu'on veut faire passer, de service public et d'engagement auprès des usagers, bien sûr, mais peut-être aussi innovation dans la manière de gérer le service public. Donc la période est intéressante aussi dans les retours d'expérience. Et là, dans la manière dont on libère la parole au retour en disant qu'est-ce qu'on veut garder et quelles sont les pratiques qui étaient en phase avec nos valeurs de service public qui sont essentielles. Donc, ça, effectivement, avec un point Nicolas en parlait aussi tout à l'heure, quand on revient à la collectivité, cette période de fin juin à juillet est vraiment importante là-dessus, c'est libérons la parole, permettons de se dire qu'est-ce qu'on veut garder. Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder et comment tout ceci est en phase avec notre vision du service public et de la culture que veut faire passer la collectivité? Nicolas? Je suis évidemment parfaitement d'accord. Alors, je pense qu'effectivement, entendre les agents, c'est essentiel dans la période qui vient là pour justement avoir une remontée d'informations fiable, importante, quantitative et qualitative. Parce qu'effectivement, on a nous-mêmes, évidemment, notre propre compréhension de ce qui vient de se passer. Hein. Pour nous-mêmes, évidemment, pour notre propre direction. Enfin, moi, j'ai une vision, évidemment, qui s'affine de l'organisation de la DRH de ce fait-là. Mais plus généralement, moi, ce que j'ai demandé, par exemple, au cadre de la DRH, c'est de dire, imaginons que vous n'ayez plus de contraintes, de quelque nature qu'elles soient, comment vous imaginez développer la cohésion, travailler demain sur les projets et quel mix présentiel, distanciel vous souhaitez. Alors, Frédéric parle d'hybride, moi je parle de mix. Bon, voilà, je veux bien me ranger à l'hybride, mais ce qui me semble essentiel, c'est effectivement de se dire par rapport à la manière dont on travaille, à ce qu'on a à réaliser, comment on organise ça demain. Et comment on tire expérience de ce qui vient de se passer. Bon, le télétravail à 100%, on sait pertinemment que ce ne sera pas le cas et que ce n'est pas un souhait de personne. Par contre, je pense que se donner beaucoup plus de souplesse, d'agilité et de moyens de travailler pour atteindre des résultats encore plus opérants et qualitatifs, je pense qu'effectivement, là, on a vraiment devant nous, je dirais, un très, très beau chantier de remonter d'informations de l'ensemble des collaborateurs. Et de se projeter sur comment on travaille demain. Voilà. Et vraiment, on a un très beau laboratoire, à mon avis, grâce à une expérience qui est évidemment inimaginable il y a 8 mois, quoi. Voilà. Avec peut-être un point, c'est ça faire vite. Parce qu'on va, quand on aura passé les vacances, qu'on sera parti aussi ailleurs, qu'un certain nombre de managers, finalement, seront plus conformes à un fonctionnement comme avant,
Donc, le travail dont parle Nicolas sur qu'est-ce qu'on veut expliciter comme mode de fonctionnement demain en phase avec la collectivité, vite, vite, vite. Ça, c'est une réalité que nous partageons. Peut-être nous arrêter à deux autres questions, quelques autres questions posées par les internautes. Il y en a une qui est, ce mot a été évoqué, d'avoir connaissance des différentes expériences d'innovation permises par le télétravail à distance. Bah, je crois que notamment les associations de DRH et d'autres associations, mais c'est des réponses qu'on pourra donner peut-être hors web conférence, hein, d'aller sur les sites où il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant. Et deux questions plus précises sur l'indemnisation. Deux questions qui sont liées sur le travail à distance dans le cadre du confinement, peut-il faire l'objet d'une indemnisation? Et quand il y a un surcoût de travail, est-ce qu'il peut y avoir des primes exceptionnelles? Nicolas. Alors, évidemment, on peut indemniser le télétravail, mais ça, c'était avant le confinement, hein. Il y a des possibilités de le faire. Il y a des collectivités qui se sont engagées dans cette démarche, et c'est celles qui avaient, à mon sens, une plus grande expérience en matière de télétravail. Je citerai de mémoire, la région Île-de-France, qui a travaillé sur ces sujets, notamment dans le cadre de son déménagement et de sa nouvelle organisation du travail, et qui, de fait, et vous le savez, a été très impactée déjà par les grèves, donc avait beaucoup travaillé ce sujet avec les grèves des Gilets jaunes, et évidemment, a continué avec le confinement. Donc, il y a quelques co collectivités qui ont travaillé sur le sujet de cette manière-là. Ensuite, sur la période qu'on vient de dire, effectivement, on peut toujours et évidemment délibérer désormais, hein, pour dire que effectivement, on indemnise le télétravail sur la consommation électrique, sur les fluides en général, hein, l'Internet, etc. Ça, c'est évidemment une possibilité, comme par exemple imprimer des documents, hein. Évidemment, ça peut représenter un coût pour les agents. Donc ça, c'est effectivement possible. Il faut passer devant le comité technique et ensuite avoir une délibération. Et puis deux, effectivement, en fonction de ce qu'on a fait, la prime Covid, hein, avec le décret de Ninel, a donné la possibilité, quand il y a eu surcroît d'activité, c'était la condition du décret, de pouvoir indemniser et de donner la prime dite Covid aux agents en fonction de critères qu'on détermine à l'intérieur de chaque collectivité. Donc voilà, il y a ces deux options qui sont possibles pour effectivement indemniser les agents. Une question qui revient peut-être un peu à cette notion de culture qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que le télétravail, ça permet effectivement de faire beaucoup de choses, mais est-ce que ça ne fait pas simplement, ça ne permet de faire uniquement ce qui doit être fait selon l'expression, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant pour faire vivre le reste, c'est-à-dire un groupe, une équipe, un esprit, voire une collectivité. Frédéric, peut-être sur ce point-là. Il y a des entreprises qui insistent beaucoup sur la coopération, l'innovation, qui ont été très réactifs par rapport à ça. Je pense à des gens comme L'Oréal qui dit que leur créativité dépend de la capacité à croiser un collègue qu'on n'avait plus vu depuis un bout de temps et à raisonner sur une idée, être en rebond là-dessus. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut pas être organisé en télétravail. Et l'autre point qu'on voit de manière très très forte au retour, c'est le bonheur de revoir les collègues autrement, avec des chances qui sont pas uniquement focalisées sur une tâche à exécuter, où là c'est un vrai point essentiel à faire. Donc le collectif est essentiel à retrouver. Ça effectivement, et ça fait partie des bonnes raisons pour revenir. Parce que c'est si on revient au bureau pour travailler juste de la même manière qu'en télétravail, franchement, c'est pas la peine. Si c'est pour faire derrière son ordinateur avec éventuellement son casque et d'être concentré sur les mêmes activités là-dessus, autant le faire en mode distance, ça évitera le transport, on sera plus écologique là-dessus. Donc le collectif fait partie des bonnes raisons pour revenir. Mais simplement, il faut être très exigeant sur l'organisation de ce collectif. Qu'est-ce qu'on se fait comme, sinon comme fête, mais comme mode de travail différent
en équipe, quels sont le type de créativité qu'on fait sur tel ou tel sujet, comment est-ce qu'on distingue des réunions de descente d'informations sur lesquelles on n'a pas besoin d'être en physique, on peut faire en distant par rapport à des réunions en physique. Donc il y a un impératif absolu de collectif, mais avec une vraie exigence à se donner pour que le collectif ne soit pas soluble en une réunion Teams. Nicolas, rapidement sur ce sujet. Oui, rapidement. Moi, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à savoir si justement, comme dit. Pardon? Le temps passe très vite, donc c'est pour oui. ça. Oui, non, mais je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on fait en présentiel et ce qu'on fera en distanciel. Je pense que ça, c'est assez essentiel. Se dire que quand on sera en présentiel collectivement, il faudra effectivement qu'on ait que des activités spécifiques et que l'hybride distanciel, eh bien, effectivement, on soit sur de l'information descendante, sur de la rédaction d'éléments de langage, sur des notes, sur la réflexion. Et par contre, quand on sera en présentiel, d'être sur la coproduction, sur vraiment le fait d'interagir. Je pense que ce qui manque un peu effectivement à ce distanciel ou à des réunions types, soit des webinaires comme aujourd'hui, c'est aussi l'interaction entre nous, hein, quand on n'est pas physiquement dans la même pièce. Voilà, c'est pas la même manière d'appréhender l'échange avec l'autre. Je pense que ça, c'est assez essentiel que on soit bien concentré quand on sera sur les moments en présentiel, sur justement ces activités-là, hein, et qu'on n'enquille pas, entre guillemets, des tips à la suite de la journée, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une tendance qui est de plutôt que de se poser la répartition en termes de temps de travail, de se poser la question des tâches qui peuvent être faites sur site et d'autres qui peuvent être faites à distance. Et de partir de ce paramètre et de ce mode de regard-là qui permettrait. OK, on va reposer une question à nos internautes. Cette période de télétravail a-t-elle durablement changé votre manière de considérer le travail dans votre vie? Réponse par oui ou par non. Voilà. Alors j'en profite pour revenir encore à quelques questions. Une remarque sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le Conseil régional d'Île-de-France, qui a beaucoup travaillé là-dessus au moment de son déménagement, mais qui aussi avait installé d'importantes open space. Et il nous précise d'ailleurs qu'ils sont dans l'obligation aujourd'hui de les repenser complètement. Voilà. Oui, ça c'est effectivement la question de la géographie d'espace est passionnante parce que les open space sont vraiment tout à fait challengés. À quoi ça sert de se retrouver dans un même espace de travail si on est concentré derrière son écran? A fortiori qu'on sera plus souvent en réunion, ça fait pas sens. Et là, les architectes travaillent sur les espaces collectifs. Quel type d'espace collectif avoir, comment fonctionne une équipe de telle manière, quel espace de créativité, quel espace de prise de recul, et tandis qu'un bête un peu de space, on est chacun devant son écran avec ses écouteurs, franchement, autant être à la maison. D'accord. Alors, on a une réponse très rapide à ce sondage, ce qui veut dire aussi qu'il faut que nous accélérions aussi dans nos propos. À la question sur la nouvelle appréhension, la manière de considérer leur travail, 72% des personnes ont répondu oui, ce qui ne vous surprendra pas, je suppose, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte et rapidement, comme disait Frédéric. Alors, il nous reste quelques minutes et je voudrais pouvoir privilégier un certain nombre de questions, même si nous avions prévu notre scénario autrement. L'important, ce sont les internautes. Donc, je vous pose ces quelques questions. Sauf celles qui sont très techniques, encore une fois, on y répondra hors antenne, j'allais dire. Pendant le travail à distance en mode de confinement, y a-t-il un maintien des RTT? Nicolas. Enfin, c'est une question extrêmement technique, effectivement. Alors, c'est pas la plus technique. La réponse est oui, si effectivement on travaille. Il n'y a pas de raison de supprimer des RTT. La seule raison qui enlève les RTT, c'était si on était en autorisation spéciale d'absence. Voilà. Mais voilà, c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas le cas quand on est en télétravail, effectivement. Il y a un certain nombre de questions qui reviennent sur le thème de la confiance. Hein. Comment instaurer une évaluation réelle du travail effectif, un contrôle du temps de travail, notamment quand il s'agit d'une demande de notre gouvernance?
et faire ça de manière objective? Est-ce qu'il y a des outils autres que le système de connexion? La Alors, moi, je ne la connais pas, autre que enfin, la connexion. Et en plus, très objectivement, je ne regarde jamais ce genre de choses. Voilà. Donc, je fais plutôt une évaluation, effectivement, à la réalité du travail fourni et à l'atteinte de nos objectifs. Je dirais que c'est vraiment une question après, de méthode de travail et de relation avec nos collaborateurs, hein, d'avoir des points réguliers, d'avoir des points sur les projets. D'avoir ce travail collectif, de se donner des calendriers, de respecter les calendriers, et puis évidemment de répondre globalement à notre directeur général ou à nos élus. Voilà, donc non, non, enfin, pour ce qui concerne, je n'utilise jamais ce type d'outil. Voilà. Et en plus, effectivement, ça marche pas parce qu'on triche. Quand on se met à utiliser ça dans avec une vocation de suivre le temps, la créativité de chacun sera bien supérieure à ce que donneront les outils sur le sujet. On peut tricher sur le temps de travail. Donc, il faut vraiment passer un mode plus au résultat. Ouais, j'en conclus qu'il est plutôt agréable d'aller travailler à la ville ou à la métropole d'Orléans. Je laisserai mes collègues répondre à ça. Justement, il y a une question que je trouve assez subtile, même si elle parle exactement de la même chose. Quel sens donner à des mots aujourd'hui, après le confinement et la période que nous avons vécue, quel sens donner à des mots comme absentéisme ou présentéisme? Ce sont des mots qu'on n'a pas beaucoup entendus pendant quelques mois. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, absentéisme? Enfin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Alors, bon, c'est vrai que nos repères ont évidemment beaucoup évolué, hein, ces derniers temps, et donc il faut qu'on s'en fasse de nouveau. Moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que, on le dit tout à l'heure, hein, mais le retour d'expérience est essentiel, et la manière dont on va mettre en place par rapport à ce qu'on a vécu, voilà, me paraît tout à fait essentiel. Le présentéisme, moi, j'ai toujours été absolument un farouche opposant à ces aspects-là, parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de tricher, comme le disait Frédéric, hein, on sait pertinemment que c'est pas parce qu'on est à 8 heures ou avant 8 heures à son travail et qu'on finit après 19 heures qu'on est particulièrement efficace, particulièrement appliqué et que les résultats qu'on peut produire ou je dirais, notre contribution au collectif est majeure, quoi. Donc, je regarde jamais ça avec grand intérêt. Par contre, c'est des fois quelques signaux quand même. C'est-à-dire que quand vous recevez effectivement un certain nombre de messages, toujours des mêmes agents, toujours aux mêmes heures, soit tôt le matin, soit tard le soir, des fois, voilà, c'est plutôt un indicateur pour moi, en fait, qu'un enjeu réel, voilà, à appréhender. Et puis, je me suis toujours laissé cette totale liberté, et je l'applique à mes propres collaborateurs, de se dire que c'est bien aussi des fois d'aller chercher ses enfants à l'école, et puis de partir tôt de son travail, voilà, sans forcément avoir des remarques du type qu'on peut connaître sur ah, vous avez pris votre après-midi, on finit avant 17 h. Enfin, voilà, ben non, on peut aussi partir à 17 h. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une manière d'appréhender les choses, et on disait tout à l'heure, hein, sur la confiance, sur l'atteinte des objectifs. Quand vos collaborateurs sont impliqués, ils peuvent partir à 17 h, ils peuvent avoir des contingences personnelles, ou ils peuvent avoir envie de ne pas travailler tard ce jour-là, et ben c'est très, très bien aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Peut-être un point qui est frappant dans certaines entreprises, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes qui ne servent à rien dans les mesures ou dans le flux de travail à distance. Ça fonctionne très bien sans eux. Et là, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui repensent leur processus et la valeur ajoutée en fonction de ce qu'ils ont vécu pendant la période où, effectivement, il y avait des étapes qui étaient franchement inutiles parce qu'on a fonctionné sans pendant la période récente. Alors, on va prendre une dernière question qui était liée, qui d'ailleurs, qui d'une certaine manière me concerne, vous allez comprendre pourquoi. Ça touche la digitalisation et tous les nouveaux modèles d'organisation. Est-ce que ça ne va pas provoquer un certain nombre d'inquiétudes chez toute une série de cadres seniors qui, pour leurs dernières années de carrière, quoi. On l'a ressenti dans certains univers. On sait déjà que quand il y a une forte digitalisation, il y a des personnes qui craignent ce genre de développement parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec les outils, ils n'ont pas envie d'apprendre, etc. Est-ce que là, ce n'est pas quelque chose qui va être accéléré et dont il faut tenir compte parce que ce sont aussi des valeurs et des compétences à conserver?
Nicolas, peut-être? Ah oui, pardon. Je crois toujours, moi, à la force de l'accompagnement dans ce type de démarche, notamment sur les aspects digitaux. On le sait bien, il faut accompagner les agents pour qu'ils apprennent à ouvrir un coffre-fort électronique, à se servir de leur coffre-fort, à ne plus avoir une fiche de paye papier. Bien sûr, comme quand ils ont une question à poser à la DRH, aujourd'hui, ils peuvent la poser par téléphone, ils peuvent nous faire un mail, ils peuvent nous écrire à la main, ils peuvent la faire passer par leur manager. Enfin, voilà, moi, je crois vraiment à l'accompagnement. Et puis, à la. Comment dire, une forme de alors c'est un peu évidemment la tarte à la crème, mais de bienveillance, quoi. Chacun a son parcours professionnel, a sa vie professionnelle, a ses centres d'intérêt. Et c'est justement dans cette diversité qu'on est intéressant et qu'on produit différemment. Si tout le monde a le même cursus, si on n'a que des geeks d'un côté et de l'autre, que des gens plus éloignés de l'informatique ou de la digitalisation, pardon. Ça a moins d'intérêt. L'intérêt, c'est justement cette diversité et que chacun puisse justement, dans sa relation à l'autre, lui apporter quelque chose de différent. Voilà. Donc moi, j'ai pas de, non, non, j'ai pas de souci à ça. Mais vous savez, Hugues, il y a aussi des jeunes qui ont malgré tout du mal. Hein. On dit toujours le, mais vous êtes encore très jeune, Hugues, donc je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Mais c'est objectivement, il y a aussi des jeunes en difficulté ou alors des jeunes qui n'utilisent que leur téléphone portable, par exemple. Ce qui n'est pas du tout un repère qu'on peut avoir chez des gens de ma génération, entre guillemets, qui utilisent plus leur ordinateur, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, que leur téléphone. Vous voyez, donc il y a des niveaux je dirais, d'appréhension des outils qui sont très variables et je pense qu'il faut juste s'adapter à tout le monde. Voilà. Alors, je ne vais pas passer la parole à Frédéric parce qu'on n'a plus de temps, parce que je sais qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je vais vous remercier tous les deux, vraiment, pour votre disponibilité, le temps que vous avez passé, la générosité de vos réponses. Annoncer très rapidement qu'une prochaine webconf va être organisée dans le cadre du cycle des réponses, des webconf de la MNT, toujours sur le thème de la crise sanitaire, un nouveau regard sur la protection sociale des agents. Le 16 juillet, de 11 h à 12 h, ça s'affiche sur votre écran, vous pouvez y répondre et vous inscrire. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, nous avons pris sur toutes les questions, il y en a quatre qu'on n'a pas pu prendre qui sont relativement techniques et on se permettra d'y répondre hors webconf. Pour toutes ces personnes-là, il y a également la possibilité d'utiliser la VK qui continue à accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci à nos internautes et puis à une prochaine webconf. À très bientôt. Merci.